Précédemment, dans Secret Story Playmobil, saison 67, 19 candidats ont intégré la maison, mais seuls 18 y sont restés. Mais alors, qui est de la mystérieuse Maria? De la sociable Stéphanie? Du drôle Jaja? Du sensuel Elio? De la joueuse Mona? De la sensible Anne-Christelle? Du séducteur Louis? Du discret Flo, de la forte tête Virginie, de la joyeuse Akata, du beau gosse Adrien, de l'excentrique Alex, de la séductrice Chiara, la franche Megan, le fouteur de merde Anthony, la revancharde Claudia, la charmante Amandine, où le stratège Jules gagnera cette saison. Alors bienvenue dans Secret Story Playmobil, saison 67. Ils ont tous un secret. Je leur ai confié une mission, le garder à tout prix pendant 14 semaines. Mais sauront-ils relever ce défi sans être démasqués ? Et surtout, n'oubliez pas, méfiez-vous des apparences. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Secret Story Playmobil saison 67, quotidienne 3. Voilà, donc c'est la troisième quotidienne, vous verrez, nomination à vie, buzz, stratégie, nomination, enfin bref, vous verrez tout quoi. Bisous. Ce matin, les maîtres des souterrains vont une dernière fois dans les souterrains. Ici la voix. Le temps est venu pour vous de désigner trois personnes qui seront susceptibles d'être nominées à vie. Qui choisissez-vous ? On reprend Mona, Edmondine et Flo. Ok. Mona, Edmondine et Flo. Bien. Ici la voix. Veuillez faire votre choix. Les habitants seront, dans un premier temps, quels sont les trois qui seront susceptibles d'être nominés. Et à la fin, qui sera nominé, sachant que vous devez donc nominer l'un des trois. Bah, Flo, il sert pas à grand chose. Flo. Non, attendez. Non, faut réfléchir, faut mieux réfléchir que ça. On pourrait prendre Mona. Ou bien Edmondine, on change notre réponse. À la place d'Edmondine, on met Jules. Et c'est Jules qu'on nomine à vie. Non mais t'es sérieuse? Ça brouillerait les pistes. Non mais ta gueule. Non, Mona, on nomine Mona. Comme ça, ça va faire un truc de dingue et tout. Ici la voix. Les trois personnes qui sont susceptibles d'être nominées à vie sont Mona, Flo et Edmondine. L'un de vous trois sera nominé à vie ce soir et vous ferez les nominations. Mona, rends-toi au confessionnal. Ok. On se demande pourquoi. Megan, tu t'y rendras dans 2 minutes. Ah ben oui, en fait, on se demande pas pourquoi, c'était juste parce que je t'ai buzzé. Ici la voix. Mona, es-tu prête à te défendre lors de la confrontation? Oui. Hello. Alors, qu'est-ce que tu penses? Ici la voix. Vous avez 5 minutes pour vous défendre. Je pense que c'est toi qui es responsable de la nomination. D'accord. Bah alors, qu'est-ce qui s'était pensé ça? Alors, déjà, il y a un H. Pour moi, c'est le H. En fait, pour moi, ce n'est pas un H. Pour moi, c'est la barre du
En fait, il y a une barre qui représente la maison, une autre barre qui représente une autre petite maison. Et la barre du milieu, en fait, c'est le reliement, c'est le chemin qui relie les deux maisons. Et toi, tu aides l'autre maison et c'est toi qui nous nomines. Et à quoi correspondrait la branche, l'arbre? Eh bien, ça voudrait dire tout simplement le lien, parce que l'arbre, pour moi, ça représente un lien très fort. Et donc, ça, c'est les racines de la maison et tu es responsable de ça et tu es la racine de la maison parce que c'est toi qui as le destin, quoi. Ok. D'accord. Ouais. Et aussi, il y a trois barres comme les trois susceptibles d'être nominés. D'accord. Ah bah d'accord, ok, bah vas-y, valide. Ici la voix. Que comptes-tu faire? Je valide. Elle a même pas su se défendre tellement elle était trop gênée. Bien. Tu peux sortir du confessionnal. C'est tout pour le moment. Merci. Bah alors là, merci Mégane, quoi. Elle m'a mené mais vers un truc, mais. Pouf. Bon ben. Moi, je suis tranquille, hein. Elle est à côté de la plaque sur mon secret, quoi. J'aurais même pas cru qu'on puisse penser ça, quoi. Pour moi, mon secret, il est tellement évident. Mais apparemment, pas pour elle. Vous aimeriez que ce soit qui soit nominé à vie? Moi, j'aimerais. En tout cas, moi, je veux pas que ce soit Mona. Ah, t'es cocasse, c'est normal, toi, t'aimes bien les feuilles. Non, c'est pas pour ça, c'est parce que Mona. Il y a tout le monde qui s'acharne sur elle alors qu'elle a rien fait, la pauvre. Bon, elle a rien fait, elle a des problèmes avec des gens dans la maison. Donc, à partir du moment où elle a des problèmes, moi, je trouve ça normal. Comment ça, elle a des problèmes avec des gens dans la maison? Moi, j'avais pas entendu parler de ça. Je sais pas encore à de ça, moi. Attends, t'as pas vu qu'elle avait des problèmes? Bah, j'ai vu qu'elle avait des petits problèmes avec un peu les filles, mais je pensais que c'était juste pour rigoler, qu'elle l'accusait de. Que c'est elle qui était responsable parce que j'avais des soupçons, mais je pensais pas que c'était qu'elle les harcelait, qu'elle était exclue. Moi, je savais pas tout ça. Moi, je suis désolée, mais moi, que les gens excluent les gens comme ça, qu'il y en a des gens qui excluent les autres, moi, je déteste ça en fait. Ben, moi aussi, moi, je trouvais que c'était dégueulasse. Du coup, je veux pas que ce soit Mona qui soit nominée à vie parce que la pauvre, elle a rien fait donc. J'aimerais plutôt que ce soit Flo, parce que bah, je vais trouver son secret. Donc, bah, une fois que j'aurai trouvé son secret, il servira plus à rien. Et puis, de toute façon, il ne sert pas déjà à grand-chose dans la maison. En plus, il fait même pas la vaisselle. Genre, on se relaye les trucs. Lui, tout ce qu'il fait, c'est mettre ses trucs dans l'évier et tout. Il est mal poli, ce mec. Je peux pas le supporter, quoi. À moi non plus, genre. Oh, il est. Non, mais. Mais je pense que je vais aller buzzer. Ouais, et moi je vais parler à Mona et je vais parler aux filles là en fait. C'est quoi ça? Je refuse en fait. Je viens d'apprendre que dans la maison, il y a une candidate qui était exclue. Mais je suis désolée, mais moi je peux pas supporter ça. Non, non, non. Mona, je peux te parler? Coucou Virginie. Oui, bien sûr, parle-moi. Dis-moi, qu'est-ce que je n'ai encore pas fait? Ou qu'est-ce que je n'ai encore pas dit? Et là, il y a Virginie, elle arrive avec son ton agacé, en colère. Donc, je me suis dit, super, encore quelqu'un qu'ils ont tourné contre moi. Qu'est-ce qu'on a encore à me reprocher? Mais en fait, non, non, non. Je suis contente. Je me suis trouvée une presque amie. Enfin, en fait, non. Techniquement, c'est elle qui m'a trouvée. Mais bon, c'est la même chose, non? Je viens de parler parce que je viens d'apprendre ça. C'est vrai que t'es exclue. Bah oui, t'as pas remarqué. Bah non, moi je viens de te l'apprendre en fait. Moi je croyais que juste les autres, elles taquinaient un peu et tort. Mais genre, je savais pas que t'étais exclue. Mais genre, pourquoi t'es exclue? Parce que je suis arrivée, je leur ai demandé si je pouvais être leur amie. Ils m'ont dit de dégager de la cuisine, j'ai essayé d'insister. Ils m'ont dit de dégager, qu'ils avaient un mauvais comportement. Je leur ai dit que je les emmerdais et que je restais parce que j'avais envie de bouffer et que la cuisine n'était pas qu'à elle. Elles m'ont viré, et puis elles ont abusé tout, elles ont mis des gens contre moi en leur racontant que c'est moi qui les avais insultés.
Eh mais enfin si, mais en fait je vais les trouver. Non mais c'est quoi ça en fait? D'où on exclut des gens? Moi j'accepte pas que dans cette maison, il y ait des gens qui soient exclus. Je n'accepte pas. D'accord, ok. Et te fier avec moi, parce que moi, j'en ai marre. D'accord, ok, d'accord, ok. Non mais d'où y a du harcèlement ici? Je suis folle de rage. Il y a des gens, ils excluent des autres. Il y a des gens, ils harcèlent les autres par rapport à leur foi. Non mais c'est quoi ça? Moi je n'accepterai pas ça dans cette maison. Tant que je serai là, personne ne sera exclu. C'est clair? Ah. Tu m'attends là. D'accord. Putain de fils de pute de bordel de merde! Qu'est-ce qu'il y a? Oh putain, Virginie. Bon, je sais, Mona, elle est chiante, t'es en merde. Mais t'inquiète pas. Nous aussi, on la déteste. Ici, tu peux dire tout ce que tu veux. Yeah, ici on est le clan contre Mona, alors tu peux dire tout ce que tu veux. Mon problème, c'est pas avec Mona! C'est avec vous, mon problème! Oh my god! Mais comment ça, ton problème, c'est avec nous? Ah, oh, je suis choquée! Mais comment ça, ton problème, c'est avec nous? Ma problème, c'est avec vous. C'est que vous excluez tout le monde. Vous excluez Mona. Vous vous foutez de la gueule de Akata. Moi, j'en ai marre de fort. Mais comment elle ose? Oui, et de plus, je vous ai entendu dire plein de choses par rapport sur la gueule des candidats, comme quoi Flo, il avait une tête de consanguin, que Anne-Christelle, c'était une travestie, que Jaja avait un château gonflable à la place du ventre, que Antonia a de la fausse fourrure à la place des sourcils. Bon, ça, ok, j'avoue, c'est un peu vrai. Mais d'où tu écoutes nos conversations? Ouais, j'avoue, ça se fait grave. Oui. Franchement, Mona, tu es encore plus décevante. Tu écoutes aux portes des gens et tu écoutes ce qu'ils disent. Parce qu'en plus, vous avez vraiment dit tout ça? Oh, mais on n'a pas dit que ça, on a critiqué tous les habitants, même. Bien sûr que non, c'est de la merde, Mona, t'es qu'une micheto, t'es qu'une mytho, vas-y, connasse. Écoutez, maintenant vous allez arrêter, parce que sinon je vais vous mettre mon poing dans la gueule. Mais vas-y, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Poufias, tu vas faire quoi? On est 5 contre une, tu vas faire quoi? Je vais faire ça là, je vais faire ça. Ok, je vais faire ça. Non, maintenant vous arrêtez. Oh tiens, il y a une dispute. Bon ben moi je vais buzzer. Ici là, Adrien. Quel secret penses-tu avoir découvert? Je pense avoir découvert le secret de Flo. Quel est-il d'après toi? Je pense qu'il vit comme au Moyen Âge. Qu'est-ce qui t'emmène à penser ça? Parce que quand il nous raconte sa vie, il nous parle d'un château. Bon, il y a des gens qui habitent un grand château, mais il a une manière de le dire qui me fait penser, pas comme tout le monde parle, hein. Il n'a pas des habits et une coupe commune, une façon de parler commune, il est assez hautain, il nous traite un petit peu, genre voilà, quand on se relaie pour les vaisselles, pour la vaisselle et tout. Lui, ben, il se relaie jamais. Il est toujours en train de dire en mode, oh, c'est pas à moi de faire ci et ça. Donc je pense qu'il vit comme au Moyen Âge parce que, en fait, c'est surtout par rapport à sa mentalité que je dis ça. Bien, la voix te rappellera plus tard pour la confrontation. C'est tout pour le moment. Merci. Bien. On peut dire que Adrien est un grand enquêteur. Cette semaine, il y a eu eh bien, quatre buzz. Celui de Stéphanie, non, de Mégane, celui de Alex, celui de Anne-Christelle et celui de Adrien. Eh bien. Maintenant, regardez l'annonce de la voix qui va annoncer le nominé à vie. C'est parti. Ici la. La voix à tous les habitants. Edmondine, Mona et Flo, levez-vous. L'un d'entre vous trois est nominé à vie. Et la personne qui est nominée à vie s'appelle Flo. Flo, tu es nominé à vie. C'est tout.
pour le moment. Ouais, on est toutes les deux immunisées, on n'est pas nominées à vie, ouais. Ouais, on n'est pas nominées à vie. Oh mince, je suis désolée Flo. Pas grave. Mais on est trop contente, on n'est pas nominées. Ouais, pas nominées à vie. Yes. Putain, mais c'est sérieux, mais pourquoi vous l'avez pas nominée à vie là, ceux qui nous regardent? Putain, hé hey, oh, pourquoi vous l'avez pas nominée à vie? Pourquoi vous l'avez pas nominée à vie? Pourquoi vous l'avez pas nominée? Du coup, la personne qui sera nominée face à Flo, ce sera une fille. Oui. Donc du coup, faut faire des stratégies, allez. Nous. Pio. Allez, où? Puisque tout le monde peut passer au confessionnal et nominer qui veut, on nomine Mona. Ouais, ok. Oh, j'ai un truc à dire à Flo. Ouais, vas-y, appelle Flo. Hé, hey, Flo, viens me voir. Oui, quoi? Alors, tu vois, tu n'as pas d'amis. Mais on accepte que tu rejoignes notre groupe et que tu sois ami avec nous si tu nomines Mona. D'accord, je vais nominer Mona. Voilà. Moi, je dis on nomine Mona. Ah non, non, hors de question, pas Mona. Non, putain! Non, pas Mona. C'est Mona, elle a chanté, ok? C'est Mona, mec. Mais oui, mais elle a de problèmes avec trop de gens dans la maison, donc c'est qu'elle doit pas être si saine que ça. Mais c'est parce que c'est les gens qu'elle exclut. Moi, je suis d'accord avec Virginie, on nomine pas Mona. Ben, moi, je nomine Mona parce que les gens, ils sont soit team on nomine Mona ou soit team on nomine les anciens. Et moi, je veux pas me retrouver nominée. Bah, c'est heureux. Mais, au lieu de nominer quelqu'un qui n'est pas Mona, au lieu de nominer Mona et d'être d'accord avec les gens qui veulent nominer Mona, sois d'accord avec nous. D'accord? Que nous, on fait nominer. Ben, on renomine qui? Mégane. Voilà, nous, on va nominer Mégane. Mona, on va lui dire de nominer Mégane. Et comme ça, on nomine Mégane. Donc, c'est Mégane qui est nominée. Non, non, je préfère prendre la sûreté. Oh, t'es vraiment une mauvaise chelle. Et puis personne a dit qu'il fallait nominer les anciens. Mais je m'en fiche, moi je nomine quand même Mona. Salut, vous êtes en train de discuter nomination? Ouais. Ok, ben j'ai un truc à vous proposer, on nomine Mona. Ben pourquoi? Parce que les autres ils veulent la nominer donc. Même si jamais ils harcèlent, enfin ils doivent pas la harceler et tout pour rien, donc c'est qu'elles doivent avoir un minimum de. Elle doit avoir fait quelque chose, elle doit avoir fait un minimum quelque chose pour que tout le monde soit contre elle. Donc je propose qu'on la nomine, comme ça on se protège aussi. Mais on va pas nominer quelqu'un qui nous a rien fait. Mais est-ce que t'as des problèmes avec quelqu'un dans la maison? Bah à part avec Anthony, non, et de toute façon c'est une nomination. Là on doit nominer une fille, donc on nomine Mona, t'as de problème avec personne? Bon d'accord. Je veux bien rejoindre l'eau. Mais par contre, Lolo, faut me donner des arguments, parce que là, je suis trop d'accord, Lolo. Ici la voix, à tous les habitants, veuillez aller voter un par un au confessionnal. Je décide de nominer Mona. Je suis vraiment désolé, mais je décide de nominer Mona. Je décide de nominer Mona. Je nomine Mona, c'est une poufiance, celle-là. Et j'ai nominé Mona parce que je suis la belle espagnole de l'aventure. Je nomine Mona. Je nomine Mona à contre-cœur. Je nomine Stéphanie parce qu'elle est méchante avec moi et Akata. Je nomine Stéphanie parce qu'elle est méchante avec moi. Je nomine Mégane parce que bah, Adrien m'a dit de le faire et de lui faire confiance. Donc c'est un peu la seule solution que j'ai de lui faire confiance. Je nomine Mégane. J'en amène Mégane. Cette salope focue qui se prétend franche. Moi, je les crache de siaste, pofias. Pah. Je nomine Mona. Je nomine Mona. La meuf, elle m'insulte. Elle croit que quoi? Que je vais lui faire un sourire? Non, je lui pète dessus. Je nomine Mona. Et sans aucun scrupule. Je nomine Mona. Je nomine Mona à contre-corps parce que c'est une fille chouette, elle a l'air très gentille. Je nomine Mona. Ici la voix, à tous les habitants. La nominée qui rejoint Flo sur le banc des nominés est Mona. D'accord. Flo, un habitant pense avoir découvert ton secret. Oui. Adrien, quel secret penses-tu avoir découvert?
Je pense que Flo vit comme au Moyen-Âge. Alors, l'intitulé exact de mon secret est que je vis coupé du monde. Mais oui, tu as trouvé mon secret car je vis dans un petit village un peu comme au Moyen-Âge et je vis coupé du monde, extérieur comme intérieur, car nous n'avons pas ce que vous appelez le Internet, etc. Bien, Flo, tu perds toute ta cagnotte. Adrien, tu as 20 000 euros. C'est tout pour le moment. Voilà, je vous laisse. D'accord, bon, puisqu'apparemment beaucoup de gens sont contre moi, qui est-ce qui m'a nominé? Parce que pour que je sois nominé, je me doute qu'il n'y a pas que les 5 nigos d'ici qui m'ont nominé. Non, moi je t'ai nominé parce que je t'aime pas, voilà. Alors moi je t'ai nominé parce qu'ils m'ont dit que j'allais devenir ami avec eux. Ah ouais, d'accord. Levez-vous un peu là, les gens qui m'ont nominé. Ah oui, quand même, qu'est-ce que je vous ai fait en fait à vous pour que vous me nominiez? Vraiment, moi, c'était juste pour me protéger parce qu'il y en a qui avaient dit qu'ils allaient nominer leurs anciens. Moi, c'est parce que j'avais de problèmes avec personne dans la maison, l'eau. Donc, du coup, on m'a dit de te nominer. Oui, c'est moi qui ai eu l'idée de te nominer parce que ben, t'avais des problèmes avec eux. Donc, voilà. Du coup, je t'ai nominé aussi. Moi, je t'ai nominé sans scrupule. Je suis vraiment désolée. D'accord. Donc, en fait, il n'y a que 4 personnes qui m'ont pas nominé. Moi, j'ai nominé Stéphanie parce que je l'aime pas. Elle m'a jugé par rapport à ma voix. Je t'ai dû le fermer ta gueule, putain, t'as une voix de merde. Voilà, elle est méchante avec moi gratuitement. Et moi je déteste la méchance, c'est gratuite, alors j'ai nominé Stéphanie aussi. Oui, j'ai nominé Stéphanie. Nous on a nominé Megan. Ouais, non, on a nominé Megan parce que Megan, tout ce que t'es, c'est que t'es une pauvre fiasse. Tu te prétends franche et tout, mais t'es la meuf la plus folle que j'ai jamais vue. Pauvre fiasse, va te faire reculer, salope. D'accord. Bon, bah écoutez, je me retrouve nominée. J'espère pour vous que je vais partir. Mais j'espère pour moi que je vais rester quand même. Bref, en tout cas, merci à vous quatre qui m'avez pas nominé parce que... Bah voilà quoi, j'aurais pas cru qu'il y ait des gens qui me nominent pas. Enfin, je pensais qu'il y ait des gens qui me nominent pas. Mais c'était pas les personnes que je pensais qui me nomineraient pas. Enfin bref, vous avez compris. En tout cas, Mona, moi je tenais à te dire que je te soutiens pleinement. Et voilà. Merci Akata. Merci Akata. Mona. Moi aussi, je veux un câlin. Quand je suis arrivée, je pensais que Akata et moi, on n'était pas faits pour être amis. Parce qu'elle est elle a la joie de vivre, elle est joyeuse, elle profite de la vie à pleines dents. Elle croque la vie à pleines dents, elle profite des petits plaisirs que la vie lui offre. Et moi, je suis juste une personne riche, bah, qui est capricieuse et tout. Et je pensais qu'on n'avait aucun point en commun, mais c'est une fille très douce, très gentille, vraiment adorable et... Je pense qu'en réalité, je me suis vraiment trompée sur elle et qu'on peut vraiment être amis. Et j'ai finalement trouvé des amis. Akata est une personne très gentille. Jaja est super drôle. Adrien, il me soutient beaucoup. Et Virginie, c'est comme ma grande sœur. Nous, on est tes amis, Mona. Merci. Et voilà, les nominations ont été effectuées. Voilà, si vous voulez voter, vous pouvez voter dans le lien de la description. C'est le 1 pour Flo et le 2 pour Mona. L'un d'entre eux quittera l'aventure lors du Prime. Voilà, je vous laisse avec la voix qui vous dit comment voter. Bisous. Ici la voix. Pour voter pour sauver votre candidat préféré, c'est très simple. Envoyez le 1 pour Flo et le 2 pour Mona en cliquant sur le lien de la description. C'est tout pour le moment.